Bonjour. Aujourd'hui sur Beansport, je reçois l'humoriste, le comédien Malik Bentala et je lui réserve une séance de jujitsu self-défense. C'est parti. Ah, allez, défends. Ah, je défends, je défends. Défends. Je défends, je défends. Non, j'arrête. Regarde, prends. Hé, hey, le ballon. Ouais. Le ballon. Venir chercher la balle pour faire des techniques de jujitsu. Pour aller marquer. T'as cru que t'étais venu pour rien, là? Vincent, par ici, je te souhaite de finir sur Equidia. Je te souhaite de finir sur Equidia, présenter des chevaux qui boitent. Bonjour à tous, bienvenue sur Beansport, Brian McKnight. Je m'occupe de tout ce qui est dorsaux, tout ce qui est pec, tout ce qui est accessoirement travail au foie. Et aujourd'hui, séance spéciale avec Monsieur Vincent Parisi, le coach, séance de je me situe. Voilà, tout ce qui est pour ce que je me situe, travail de self-défense. Voilà, parti pour une séance. C'est une discipline où je dois te faire les techniques, donc ouais. Tu dois subir, mais tu dois voir aussi. D'accord. Donc j'ai un partenaire qui fait du karaté Kyokushinkai, mais c'est pas grave parce que c'est la famille des arts martiaux. D'accord. Donc Franck. Le principe, c'est de comprendre que la self-défense, qu'on soit petit, et victime, ou grand et costaud. Et je vais te fumer, là, c'est quoi? Je vais te fumer, frère. Mais je parle pas de toi. Ah ouais, fais gaffe. Parle pas de toi. Fais gaffe, frère. On est plusieurs. Il est plus timide sur ses sur la scène, je trouve. Non, en fait, quelle que soit ta taille et ton poids, ouais. Logiquement, la self-défense, lorsque c'est bien fait, tu peux t'en sortir toujours. T'es sûr de ça? Sûr. Bah, moi, j'ai trop. Alors, juste, Vincent, si je peux me permettre, ouais. Viens, on fait une situation. Parce que souvent, on est tout de suite, je marche dans la rue. On oublie ce passage de ouais, je marche dans la ça rue. Marche. Et tu m'interpelles. Ouais. D'accord. Je suis à la poste moi, donc ça voilà. Met du temps. Et moi je t'attrape. Oh, ma carte oh là là de la poste. Voilà. Alors qu'est-ce que tu pourrais faire là pour fuir mon action? C'est compliqué mais. Ah ouais. Tu vas tourner le bras pour récupérer. Ouais, d'accord. Ici. D'accord. Tu vois, par exemple. Et ensuite, tu vas pousser la tête. D'accord, je vois. Ouais, ça y est. Tu vois parce que là, tu peux plus partir vers d'accord, l'avant. D'accord, ok. J'ai tu comprends ça. C'est... À la base, un an que je l'attends, le petit, là. Un an que je l'attends. Le mec, il est en train de crever. Un bras. Ah, ouais. Et venir te contrôler. Je peux te distraire en chantant, peut-être. Non. Because I'm happy, got the sun, the freshest. Oh, t'as le mec qui est... Ah ouais, ça marche. Ça marche direct. L'avantage de cette technique, c'est que, qu'il soit costaud ou pas, hein, je peux y arriver. Après, je peux peut-être y arriver avec mes deux mains. D'accord. Ou avec une main. Voilà. Tac. D'accord. J'y vais. Tac. Que de pousser. Voilà. Ok, super. Voilà. Pas très physique, pour les lâches, parce qu'il m'a appris à fuir. Et puis, voilà, du parisien dans le texte, quoi. Il y a une dernière technique que je t'ai pas montrée. D'accord. C'est une technique où tu viens saisir derrière, tu vois. Là. D'accord. Tu viens d'accord. saisir là. Tu viens entendre ouais. Voilà. Cette technique, je t'avais pas montrée. Je retire. Je veux que je te l'accroche. Non, écoute, je te l'accroche. Non, ici. Ok, d'accord, ça marche. Je retire tout depuis le début. Malik, merci infiniment. Merci à vous. Franck, super. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite sur Beansport avec Vanessa et Thomas. C'est parti.